soir, nous allons faire comme ceci. Tout à l'heure, nous allons donner nos témoignages. Après, nous allons adorer le Seigneur. Juste après ça, nous allons donner la place à l'orateur. Ce soir, je tiens à partager cela. J'aurais bien aimé être là-bas et non ici pour partager cela parce que c'était bon. Je peux vous dire que ce soir, j'ai eu une invitation aujourd'hui. Je veux dire, l'Union européenne m'a envoyé une invitation ce soir à assister à un événement très important à 20h30, mais je ne peux pas aller. Je leur ai dit, je ne peux pas. C'est une invitation qui est venue tout à l'heure, même on m'a appelé que c'est là. Et que je dois, je travaille avec une organisation où on m'a considéré et on m'a dit de venir. Mais je ne peux pas. Je veux vous dire pourquoi. J'étais venu ici il y a trois samedis. Je ne savais pas qu'il y avait un programme comme ça. J'étais venu simplement. J'étais assis à la place de mon frère. J'ai oublié son prénom, excuse-moi. Élisée, oui. Et Madame Nana était venue, elle a commencé à parler. Je peux vous dire que franchement, cette semaine était vraiment la semaine de nos saisons pour moi. Mais ce qu'elle m'avait dit le jour-là, je considère que c'était à moi. Parce qu'elle m'avait parlé, elle m'avait instruit. Seigneur, oui, c'est vrai. Je ne voulais pas reconnaître, mais là maintenant j'ai reconnu. J'ai reconnu que c'était une faute, mais je ne voulais pas avant. Et il m'a pardonné et il m'a repris. Dans cette reprise, la semaine qui a suivi, j'ai fait une expérience pas possible. Je partais simplement. Je partais et j'ai quitté l'enseignement du mardi. À Thierry Cochon, je partais à la maison quand j'ai vu un couple qui parlait. La femme disait, c'est comment ça? Elle était malade. Et de quoi souffre-t-il? Le frère dit, ils ont appelé le nom de maladie. Et l'homme a dit, est-ce que ça c'est naturel? Le frère dit, je ne sais pas, hein, parce que on peut tout donner aux gens maintenant, pas en ce moment, même le sida. Et j'ai commencé à dire, comment ça s'est passé? Ils n'ont rien compris. Avec mon Seigneur, mon Seigneur veut ça, il veut ça, il veut ça. Je dis, je parlais à moi seul en me partant. Donc après, je me suis dit, je disais jusqu'à lundi, quand Jésus était crucifié à l'air, on hissait Satan avec son clan sur la croix. Il n'y a pas la maladie qui s'est dégagée du loyer qui a dit Jésus-Christ, je te défie, je te mets un défi, tu ne peux pas le faire. Il n'a pas fait ça. Je me disais ça. Arrivé à un instant, le Seigneur me dit, tu n'as rien à te demander. Tu es en train de parler des autres pays. Mais est-ce que toi-même en toi, tu n'as pas manqué de quelque chose, tu ne manques pas de quelque chose? Au Seigneur, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à confesser, j'ai commencé à dire au Seigneur, oui, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et franchement, j'en ai besoin. Tu sais, c'est pour ça que tu as pris par là, tu m'as donné des ordres. J'ai compris, j'ai commencé à parler. J'ai fini. Arrivé à la maison, la méditation du soir, c'est moi qui avais conduit ça. Les parents ne savaient rien. Cette expérience que j'ai vécue en venant à la maison, je leur ai partagé ça. Ça a boosté l'environnement. Le lendemain matin, quelqu'un que je ne connais jamais m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que Fofo est à la maison? Il doit m'accompagner pour acheter quelque chose demain pour lui. Et on m'a donné cette chose-là. Ce que j'ai demandé, la nuit-là, j'ai retrouvé ça le lendemain. Ça conduit. Et après, le jeudi continue parce que l'environnement a changé. Et là où il y avait la tristesse, si je viens, je change. Je vous remercie. Depuis cet temps, je suis complètement absent parce que je suis actuellement très soulevé. Je suis soulevé sur le chemin. Et il y a même des fois, je passe toute une semaine sans prier, sans lire la Bible. Ça me paraît étrange des fois. Lorsque je circule demain le soir, est-ce que tu dis, aujourd'hui tu n'as pas prié, aujourd'hui tu n'as pas lu la Bible. Je me dis, bon, ça devrait le faire, demain je le faire, ou bien la nuit je le faire. Aussitôt je me couche, je dors. Quand je dors,
Je vais me réveiller, l'ouvrir, j'ouvre les yeux, il est 8h. Je peux bien faire, je dois partir quelque part, je dois rencontrer vous, je suis encore parti. Mais malgré ça, des semaines, Dieu m'a protégé. Le tout est bien arrivé, je sais qu'il y a des accidents sur la voie, tout ça. Vraiment, je remercie pour tout ça passe. Et je profite pour demander aux frères de m'aider. Parce que dans ces temps-là, je suis très, très, très surpris. Et pour moi, s'il vous plaît, voilà, il y a ce que je demande. Dans
dans certaines occasions ou bien dans les difficultés, dans les problèmes, nous ne donnons pas le fruit qu'il faut. Donc, nous sommes dans la situation de nos saisons, malgré que Jésus nous a demandé de donner du fruit, fruit du demain, mais de temps en temps, nous sommes dans la non-saison et nous n'en avons pas. Il n'y a pas de fruit. Nous avons vu ça, malgré que ce n'est pas bon, mais ça nous arrive. Nous avons vu comment le cœur de l'homme est compliqué, il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous avons vu comment notre vieille nature qui a été assévérie, mais qui est là, que nous devons veiller sur ça, de façon que notre salut doit toujours peser sur notre bien nature. Sinon, à un certain moment, si on ne fait pas attention, la bien nature se réveille, quoi. Donc, il y a notre bien nature en nous qui s'endort. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, la vieille nature est là, il te guide, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand tu as Jésus, quand tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, il réprime tout ça. Tu es là, tu es bien, il guide ta vie, il est le maître de ta vie. Mais on a vu que quand on ne fait pas attention, quand le salut, donc quand tu te comportes bizarrement, le salut là, tu laisses le salut, la vie nature se renverse, fais comme ça, tu te domines. Nous avons renversé le fanta ici, le fanta car la bouteille de fanta est posée, c'est bon, il est posé. Mais c'est comme quelqu'un, c'est comme moi, quand je m'assois comme ça, je suis bien, je suis posé, tu ne peux pas connaître que tu peux penser que je suis un ange, ou bien. Mais quand il y a le problème qui vient, le problème de secours, situation de familiale, situation de pauvreté, de secours comme ça, tu es en train d'être secoué. C'est comme ça qu'on a secoué la bouteille de Fanta. Tu es en train d'être secoué. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un te parle du mal. Donc c'est comme si tu es en train d'être basculé. À un certain niveau, on a vu que. On a ouvert la bouteille de Fanta, ça a sauté, ça s'est versé partout, partout. C'est comme ça, si on ne veille pas sur le salut, si on ne fait pas attention, quelquefois, on explose et mal, et le nom de l'Éternel est déshonoré. Vous avez vu comment les gouttes sont tombées partout, partout. C'est comme ça, quand tu te comportes mal, toi, et voilà, tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça les chrétiens. Vous me dites vous me dites de recevoir Jésus. C'est comme ça les gens qui ont reçu Jésus se comportent. Si c'est comme ça, il n'y a pas de différence. Je préfère de rester dans mon pays. Vous voyez? Donc, faites beaucoup d'attention pour que le nom de l'Éternel ne soit pas déshonoré à cause de notre comportement. Nous avons vu comment Jésus a maudit le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. La Bible, le livre que je vous ai parlé, le voyage de Berlin, dans le livre là, il y a quelqu'un qui s'appelle le bon parleur. Le bon parleur là, c'est quelqu'un qui est bon de visage. Quand tu lis le garde de loin là, c'est quelqu'un de bien. Mais on fait un plaisir qui s'approche de toi, la beauté qui était sur lui se disparaisse jusqu'à ce que quand
parlent seulement. Ils n'ont pas, ils n'ont fait que parler. Mais ce qu'il fait est différent de ce qu'il dit. Voilà. Quelquefois, il y a des gens qui disent, il faut m'écouter. Hein? Écoutez-moi, mais ne regardez pas ce que je fais. S'il vous plaît. Je vous ai dit que le moyen efficace est d'évangéliser, d'amener les âmes à Christ, c'est le cœur, c'est porter du fruit. Quelqu'un est parti évangéliser quelqu'un, il est parti, il lui a parlé de Jésus, Jésus est bon, Jésus est merveillé, beaucoup de choses. Vous savez ce qui s'est passé? Celui qui devrait écouter la bonne nouvelle, lui a dit, il se connaissait pas, il se connaissait, il envoyait le comportement d'un évangéliste, comment il se comportait. Un jour, il s'est approché de lui pour lui évangéliser. Il a essayé quand même de faire son mieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, toi là, je m'excuse fort. Ce que tu fais, crie beaucoup dans mes oreilles. De façon, qu'est-ce que tu dis pour le moment? Je n'entends rien. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que tu fais là, crie beaucoup dans mes oreilles. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher que je puisse comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, l'exemple est nécessaire. Je suis à maudire le figuier parce que le figuier là n'a pas donné de fruits. Mais on a dit que ce n'était pas la saison. Il y avait de feuilles. Le mot parler que je viens de vous dire, c'est quelqu'un de bien. On peut le comparer comme un arbre. Il y a de bonnes fleurs. Il y a de bonnes fleurs. Il y a seulement des paroles. C'est seulement des feuilles. Mais à lui, il n'y a rien. Évitons d'être de bons parler, de parler sans rien faire. Parce que l'exemple, c'est moins presque les paroles. On a vu le figuier stérile. Quel est le propriétaire à patienter? Une année, deux ans, trois ans, il s'est décidé d'occuper le figuier. Mais le figuier était là, il a dit pardon, patiente encore une fois, une année. Mais l'année prochaine, là, s'il n'y aura pas de fruits, il faut couper l'arbre. Voilà, le Seigneur est patiente pour que nous puissions, pour qu'ils attendent notre changement. Le Seigneur est patiente pour toi et pour moi. Il patiente, mais il y aura un jour que la patience sera finie. Un jour, Dieu quittera le trône de grâce pour juger le monde. C'est pour cela que la Bible nous dit de chercher l'éternel au moment où on peut le trouver. C'est qu'un jour sera impossible. Donc Dieu pardonne, il est miséricordieux. Mais il ne faut pas continuer à pécher pour que la grâce s'abonde. Il y aura un jour que le pardon finira. Mais nous avons la chance parce que nous sommes vivants encore. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il ne faut pas mettre les choses demain parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, on va voir les chapitres. De Samuel 16. De Samuel 16. 5 à 14. Donc, on va voir la volonté de Dieu sur ses enfants. Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce qu'il veut sur vous? Sur moi? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, on va lire les textes. Vous avez dit que c'est pour cela qu'on va aller rapidement. Je veux que quelqu'un va me lire ça. De Samuel 16, 5 à 14. Tu vas lire pour moi? Un volontaire. Allez-y. David était arrivé jusqu'à Bachemim. Et voici, il sortit de là. Il sortit de là, le nom de la famille et de la maison de Saül, nommé Bachemim, fils de Gera. Il s'avança en faisant les malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi.
Jimmy parlait ici en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la main de Salomon. Quand tu occupais le trône, l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu l'es, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Seruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort mourut-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, allez-vous, prie la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je fait avec toi, fils de Seruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit avec lui. Quiconque lui dira, pourquoi as-tu ici? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de l'entraille, en vœu à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse car l'Éternel lui a dit. Peut-être que Dieu regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il bien en retour de ma rédemption aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne comme David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et le peuple qui était avec lui arrivèrent à Adifi. Et là, ils se reposèrent. Alléluia. Amen. Vous avez écouté l'histoire. Donc, nous sommes en train de voir la volonté de Dieu sur ces enfants. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quel est le comportement que Dieu veut que j'affiche? Si on lit en Philippiens, chapitre 2, 5 à 11, ayant beaucoup de sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est détruit lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Il s'est écoulé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout le monde fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Donc, Dieu veut que nous affichions, que nous ayons le caractère. Le verset 5 nous a dit. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ça, le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est le même sentiment que Dieu souhaite que nous ayons en nous. Donc, Jésus a affiché vraiment un beau comportement. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de tout. Malgré qu'il était Dieu, il a vu qu'être Dieu vraiment, ce n'est pas la chose à arracher toujours. Il s'est dépouillé. Il a laissé tout. Il a tout abandonné. Il avait le sentiment d'humilité. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a fait vraiment un sentiment d'obéissance jusqu'à la mort. Pas la mort naturelle, mais la mort de la croix. Tu étais réservé aux voleurs, aux méchants. Mais il a supporté ça. C'est ça, c'est le sentiment que Dieu souhaite avoir à nous. C'est bon. Nous avons lu l'histoire de David et Thi dans le chapitre que nous avons lu de 2 Samuel là. Il y a une histoire. Que David était entouré par des hommes vaillants.
quand les gens obéissaient, ils marchaient. À un certain niveau, il y a un simple homme, il a commencé à les serrer. Homme de ça, toi là, il a mal parlé de vous, vous avez écouté. Qu'est-ce que David a fait? Bouche bée, il n'a rien dit. Il a incité, incité, incité. Jusqu'à ce que son serviteur simple, Abishai, il lui a dit, pourquoi son chien mort? Et ça, il a dit, le caractère là. Pourquoi son chien mort? Il était fâché, il était frustré, alors que ce n'était pas lui qui a été incité. Mais il a réfléchi à un tel caractère. Pourquoi son chien mort maudit mon roi? Il a ajouté, Seigneur, laisse-moi, je vais descendre pour lui couper la tête. Vous voyez le comportement? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, qu'est-ce que j'ai avec vous? Laissez-les maudire. Peut-être que c'est l'Éternel qui lui a dit de maudire. Peut-être que le Seigneur gardera mon affliction. Il va changer les malédictions en bénédiction. Disons ça. Vous avez le comportement de David, vous voyez, et le comportement d'Abishai, son serviteur. Lisons à Matthieu 27, c'est à partir de 27 jusqu'à 44. Le soldat du gouverneur conduisit Jésus dans le couloir et lui assemblait autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau et d'agate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le priait en disant : Salut, le roi des Juifs. Ils prêchaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être si moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontra un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du bras, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut piqué, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés de vêtements, ils ont tiré au sort la tuile. Puis, ils s'assirent et regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre mais de l'ancien lève. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifient avec lui les supplèrent de la même manière. Donc, c'est au moment de Jésus, de crucifixion, il a annulé tout ça. Il a été humilié. Mais malgré tout ça, il n'a rien dit. Il a été insulté. Mais il n'a jamais ouvert sa bouche. Il était comme une brebis. Mais ouais. Il était comme, disons, un mouton devant les gens qui l'attendent. Malgré quoi, il était condamné sans raison. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert sa bouche. C'est ça le comportement. C'est ça le comportement qu'il a affiché. Il était calme.
ce que nous avons vu la fois passée, comment nous réagissons. Et quelquefois, c'est quelqu'un qui passe à ton côté comme ça, il fait comme ça, quelquefois sans le vouloir, sans le savoir. Mais nous affichons un caractère bizarre. Mais oui, il a été insulté. Il a patienté pour la couronne d'épines. Les gens ont craché sur lui, mais il a tout patienté. Alléluia. Il a tout patienté. Jusqu'à ce que même les brigades qui l'entouraient, même un des brigades lui a insisté dans la manière. Tu dois sauver les autres. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre, il a regardé comme ça. Voilà. Il ne connaît pas que nous sommes là à cause de nos péchés. Il ne connaît pas que lui n'a rien fait de mal. Toi, tu n'as pas honte même. Tu n'obéis pas à Dieu. Pourquoi tu te comportes comme ça? Il a dit, Seigneur, moi là, souviens-toi de moi, à tu seras dans ton bonheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, alléluia, tu seras avec moi. Tu peux arracher le salut comme ça. Il ne faut pas que nous soyons détruits. Tu peux arracher le salut comme ça. À un moment, à un coup, Jésus est le même, il est aujourd'hui. Donc il a supporté tout ça à cause de moi. À cause de toi. Donc tout ce qu'il a pu dire, malgré les souffrances qu'il a eues, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Revenons. Combien ça nous prend beaucoup de temps? Combien de temps ça nous prend pour pardonner quelqu'un qui nous a regardé mal? Qui ne nous a pas salué? Combien de temps ça nous prend pour lui pardonner? Mais quelqu'un, les gens qui ont craché sur Jésus, les insultes, les craches, tout le mal qu'on lui a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Voyez le caractère qui était. Lisons à Luc 9. Là, c'est sur les textes. Luc 9, 51 à 55. Lorsque le temps qui devait enlever du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe des Samaritains pour lui préparer le chemin. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. D'ici, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le reçut ?» Jésus se tourna vers eux et les reprit mon âme, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans le feu. Amen. Jésus a dit, il faut que j'envoie des messagers là-bas pour me chercher un logement. Vous voyez, en arrivant là-bas, les Samaritains ont refusé de les accueillir. Vous voyez, ils ont refusé de les accueillir. Il y a les disciples de Jésus là-bas qui nous avons dit, Jacques. Ils sont fâchés contre les Samaritains. Ils ont dit, Seigneur, ils ont refusé de nous accueillir. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consulte? Vous voyez ça? Jésus est roi. Mais lui, il a patienté. Le roi David a patienté. C'est son sainteté. Il dit, sois chien, mon lit, laisse-moi aller lui couper la tête. Les gens, les Samaritains, le fils, ils accueillent Jésus. Jésus n'a rien dit. Mais c'est un disciple, Jacques. Ils sont fâchés. Venez que nous commandions le feu du ciel. Pour que le feu les consume, vous voyez, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a donné des reproches. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous voyez, Jésus a patienté tout ça. Il a supporté, il a enduré tout ça parce qu'il avait un objectif. Il voulait faire quoi? Il voulait me sauver. Il voulait sauver l'humanité. Vous voyez, il a patienté, il n'a rien dit. Donc, il a enduré tout ça. Il a enduré tout ça. L'humilité.
les crachats, les épines, mais il a enduré tout ça parce qu'il avait un bête. Il n'a pas ouvert sa bouche, il voulait sauver l'humanité. Vous voyez. La Bible nous dit, si le verset 9 de Philippiens 2, que c'est pour cela Dieu lui a souverainement élevé. Alléluia. Dieu lui a donné un nom, Dieu au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a patienté. Afin que tout genou fléchisse. Tout genou. Le genou de sorcier. Le genou de marabout. Que tout genou fléchisse. Et que toutes les langues confessent que Christ est Seigneur. Amen. Dieu lui a fait ça parce qu'il a supporté. Ça, c'est le caractère que Jésus a affiché. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi patienté. Donc, il a eu en lui, en David, il y avait le sentiment qui était en Jésus-Christ. Il a imité vraiment Jésus-Christ. La Bible nous demande d'être les imitateurs de Christ. Mais quelquefois, nous ne nous arrivons pas. Mais David vraiment essayait d'imiter. Il a imité Christ. Parce que quand Shimei lui insultait, il n'a rien dit. Il a dit, laisse-le insulter. Laisse-le. À lui, il y avait quelque chose. Il savait que rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur soit au courant. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que rien ne peut nous, si nous sommes les enfants de Dieu, rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur nous soit au courant. S'il vous plaît. Et si quelquefois vous voyez que le président va passer dans la route, hein? Il y a, quelquefois il y a un moto qui passe devant, il s'arrête et tout le monde s'arrête. Que ce soit le véhicule, que ce soit les motos, tout le monde s'arrête jusqu'à ce que le cortège du président passe d'abord. Mais le roi David, il passait, mais je vais aider là. L'insulter, jeter les pierres, faire comme ça, la poussière monter, tout ça. Mais qu'est-ce que David a fait? Bouche bée. Dieu veut que nous affichions son caractère. Donc j'ai fait un tableau de comparaison. Le caractère de Jésus, le caractère de ses disciples, le caractère de David et le caractère de son serviteur, Abishai. Il avait l'humilité, il avait l'obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. Il a été crucifié sans raison valable, sans mon humilité. Il était muet. On voulait amené à la bouche. Il était calme. Combien d'entre nous qui sont calmes devant les problèmes, devant les gens qui l'insultent? Combien d'entre nous? Donc, l'histoire de David et son serviteur. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il défendait son agresseur. Au moment où Abishai lui dit, laisse-moi d'arrêter le sort qui est mort. Qui incite le monde. Vous voyez? Donc, David a dit, si c'est l'Éternel qui lui a dit de le faire, qui peut l'empêcher? S'il vous plaît, il faut connaître que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel nous soit au courant. Donc, il s'est rappelé que l'Éternel voit tout et qu'il est capable de changer cette malédiction en bénédiction. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Donc, il faut rester calme, il faut attendre la volonté de Dieu si nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Donc, Jésus n'a pas ouvert sa bouche au moment des problèmes, malgré les insultes, les moqueries, les crachats, la couronne d'épines, tirage au sol de ses vêtements. Il a patienté jusqu'à la dernière minute. Celui-là, c'est Jésus. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'il faut. David, au moment où Shimei insultait, lui jetait la poussière et les pierres, comme on l'a dit, il était calme. Il a continué son chemin.
sans rien faire, sans rien dire, parce qu'il savait que Dieu est au courant de tout. Que le Seigneur nous aide à connaître la volonté de Dieu sur nous. Donc, vous avez vu qu'à un certain niveau, quand il voulait aller là-bas, à Jérusalem, les Samaritains, on refusait de les accueillir. Ah, on couchait les chats plantés. Ah, Seigneur, on va évoquer le fait du ciel pour qu'il est possible. Pour chaque chat, il voyait que les Samaritains ne méritaient que être possible. Mais Jésus est allé là. Donc, il a dit, vous là, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Moi, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour les sauver. Alléluia. Mais nous, avec nos caractères, nous perdons beaucoup des âmes. Au lieu de les amener à Christ, nous n'avons aucun ennemi. Notre ennemi est le diable. C'est le diable qui est notre ennemi. Si quelqu'un nous fait du mal, il faut que nous nous demandions si c'était Jésus-Christ, comment il allait réagir à ma place. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu le tableau que nous avons affiché, les comportements de Jésus, comportement de ses amis, de ses disciples, comportement de David. Moi, mon comportement, c'est le comportement de David ou c'est le comportement d'Abishai? Tu as dit à David le roi, laisse-moi, je vais descendre pour lui couper la tête. Ou bien mon comportement, c'est le comportement de Jacques. Il a dit, laisse-moi. Je veux demander au fait du ciel pour les consumer. Ou bien mon comportement, c'est le comportement qui était en Christ. Ou bien c'est le comportement qui était en David. Que le Seigneur nous aide. Souvent, nous affichons le comportement d'Abishai. Souvent, nous affichons le comportement de Jean et Jacques. Nous sommes plus tard. Nous nous fâchons directement comme sans rien passer, sans agir même. Mais Dieu, que nous affichions le comportement qui est en Christ, le comportement de pardon, le comportement d'humilité, le comportement de patience, c'est ça que Dieu veut de nous. Notre problème, c'est lequel? C'est que nous, là, nous nous affichons aux choses visibles. La Bible nous dit à 2 Corinthiens 4 que c'est pour cela que nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes mesures, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Nous voulons regarder aux choses invisibles. Je veux le respect. Je veux l'estime. Si le Seigneur ne te respecte pas, personne ne te respectera. Mais je veux l'estime. Je veux le respect. Je veux qu'on me connaisse. Si le Seigneur ne te connaît pas, personne ne te connaîtra. Mais quand il va te connaître, il va te faire connaître par tout le monde. Alléluia. Si le Seigneur va t'aimer, il va te faire aimer par tout le monde. Tu sais qu'il y a des gens, si tous les jeunes, tu vas chercher les choses là, comment on appelle, et mettre quelque part pour qu'ils soient aimés pour les filles. Ou bien les filles cherchent, il y a les filles qui font ça. Est-ce que vous savez ça? On appelle comment ça? Les talismans, tu sais? Les gris-gris. Ils attachent quelque part pour que. J'ai vu un jour, j'étais au Sénégal, il y avait une fille qui travaillait avec moi. À un certain niveau là, j'ai vu une corde quelque part, elle était une jolie fille. À un certain niveau, je l'ai taquinée. Je lui ai dit, chérie, ça c'est quoi ça? Dis-moi. Il a fait comme ça. J'ai dit, pardon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? On était des amis quand même pendant un mois qu'on a vécu ensemble. J'ai dit, qui t'a donné ça? Elle a dit, ça c'est ma maman qui m'a donné ça. J'ai dit, ça c'est pour faire quoi? Elle a dit, que ça là, que c'est contre mauvais œil. Peut-être vous comprenez, mais moi là, je n'ai pas pu comprendre directement. Que c'est contre mauvais œil, un mauvais œil. Vous comprenez, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui
il va le faire pour tout le monde. Si le Seigneur t'aime, il va te faire aimer par tout le monde. Si le Seigneur t'accepte, il va te faire accepter par tout le monde. Alléluia. Cherchons d'abord être amis de Dieu. Comment on fait? C'est en laissant, en évitant le mal, en faisant du bien, parce que c'est seulement le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, ce n'est pas facile pour vous. Mais accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est là, la nature est là. Il ne nous demande que de faire du mal. Mais si le Seigneur t'accepte, il va te faire accepter par tout le monde. Mais si tu n'es pas l'ami de Dieu là, tout ce que tu vas trouver, ça sera passager. Peut-être que tu auras un ami aujourd'hui, mais demain ça va finir. Il faut chercher d'abord la source dans l'amitié. Alléluia. Il faut chercher Dieu. C'est lui le centre de toutes bonnes choses. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Donc, le problème qui est là, nous aimons l'estime, nous cherchons l'estime. Mais si moi je me calme, le Seigneur va combattre pour nous. Il y a quelque chose que nous devons connaître. Nous sommes une lettre qui doit être lue par tout le monde. Nous sommes une lettre qui doit être lue par tout le monde. En 2 Corinthiens, tu vas trouver ça, en 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 3 à 4. Nous sommes une lumière du monde. Nous sommes une ville située sur la montagne. Nous ne pouvons pas nous cacher. Tout le monde est là pour nous regarder. C'est pour cela qu'il y a quelque chose qui se passe. Si un enfant de Dieu, tout le monde va crier. Ce n'est pas que les enfants de Dieu se comportent trop mal plus que les autres, mais c'est que nous sommes une ville située à la montagne. Tout le monde est là. Alléluia. Brillez comme des flambeaux. Amen. Nous sommes là, tout le monde est nous regarde. Un jour, Dieu a dit à ses disciples, il a dit, si quelqu'un te frappe, ton chiffre est à droite, il faut lui donner la gauche. Si quelqu'un plaide pour prendre ta tunique, il faut lui donner aussi ton manteau. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Il voulait dire à ses disciples qu'on ne corrige pas l'erreur par une autre erreur. Il voulait dire à ses disciples d'être calme, d'attendre le Seigneur, le moment favorable de Dieu. Soyons calmes. La Bible nous dit en Exode 14, 14 que le Seigneur combattra pour nous et gardons le silence. Alléluia. Le Seigneur combattra pour nous. Gardons le silence. Ça peut arriver. Ça, c'est toi, le 14, 14. Le Seigneur combattra pour vous. Vous gardez le silence. Malgré que quelqu'un t'insulte. Malgré que quelqu'un te parle du mal. Il faut seulement voir si tu n'as pas. Tu n'as rien fait dans ça. Si c'est un vœu qui te fait ça, gardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Amen. Gardez le silence. Pour ne pas déshonorer le nom de l'Éternel, le Seigneur combattra pour vous. Il arrive que, quelquefois, nous voulons plaire le Seigneur, et quelquefois, ça peut arriver, nos collègues nous prennent comme des fous. Quelquefois, ils nous insultent. Quelquefois, disons, il y a des enfants, disons, tu vois, si nous acceptons le Seigneur, quelquefois, nos parents nous demandent des choses, nous disons ça là. Dieu n'aime pas ça. Nous ne pouvons pas le faire. Disons peut-être, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer dans ça. Mais, par exemple, si moi je ne bois pas d'alcool, et j'ai un parent qui insiste sur si tu me donnes pas d'alcool, tu ne seras jamais mon enfant. Tu n'es pas mon enfant. Je vais te maudire. Personne ne peut maudire que Dieu a béni. Amen. Amen. Si tu lis un nombre 23-23, nombre, la magie ne fait rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. La magie ne fait rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Si tu es en relation avec Dieu, si tu
Il ne faut pas avoir peur. Ramagie nos pères rien faire contre toi, contre l'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est ça que j'avais abordé. Le monde que nous, dans lequel nous vivons, ça nous cause pas mal de problèmes. C'est compliqué, mais Dieu nous rendra capables. Accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et mon corps, l'aide du Saint-Esprit, il nous rendra capables. Nous seuls, nous ne pouvons pas. Ne cherchez l'amitié avec le Seigneur. Cherchez l'amitié avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Comme ça, il vous rendra capable. Là, le Seigneur combattra pour vous. Sachez que la magie ne fera rien contre toi, contre Israël, ni la divination. Dieu ne te fera du mal si tu es en mention. Je vais demander s'il y a quelqu'un d'entre nous qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui veut donner sa vie à Christ, qu'elle commence aujourd'hui. Il se décide de porter du bon fruit, d'afficher le comportement qui était en Christ, d'accepter que le Seigneur soit son sauveur personnel, le guide de sa vie personnelle. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ. Les enseignements que nous avons écoutés, tu veux renouveler ta relation avec le Seigneur. Si tu es là aussi, on peut prier avec toi. Amen. Seigneur, tu nous as montré le chemin à suivre. Tu nous as montré dans toute situation comment tu t'es comporté. Nous avons pris la décision ferme et silencieuse de te suivre partout. Mais il nous arrive dans la vie d'être troublés par nos comportements qui ne respectent pas tes consignes. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que ici sur terre nous sommes sur un combat. Le combat difficile, chaque jour, chaque nuit, ce n'est pas la saison. Souvent, les bons fruits nous manquent. Ce qui cause un désastre pour ton plan merveilleux que tu as planifié pour amener ton église pour vivre ensemble. Merci parce que tu as vu le cœur des frères qui se sont mis debout pour relever leur engagement avec toi, Seigneur. Sois de leur côté. Protège-les. Envoie ton Esprit Saint pour qu'ils puissent préparer, réparer tout ce qui ne va pas dans leur vie, afin qu'ils puissent respecter la saison et la non-saison dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous demandes d'avoir le sentiment comme le sentiment qui était en toi, Seigneur. Tu as été conduit comme un brebis qu'on amène à l'abattoir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons te suivre. Nous voulons être identifiés avec toi, Seigneur. Nous voulons avoir le comportement que David a eu car chez lui l'a insulté. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons toujours te ressembler pour que nous puissions être un jour appelés par toi pour vivre ensemble avec toi. Bénis tout le monde, nous prions tout cela à ton nom merveilleux. Amen. J'ai le comportement de Jésus de David, c'est que ils étaient entourés à ce moment-là. Donc, moi je me dis, et ça c'est le point de deux. Jésus, c'est le roi. David était roi à son époque aussi. C'était très fort. Donc il savait que ceux-là pouvaient les écraser à n'importe quel moment. Donc il savait, qu'ils avaient le soutien, la force et tout ça là. Il a dit, je parle en termes humains. Donc le problème que moi j'ai à ce niveau-là, j'ai compris que c'est parce que quand je m'énerve dans des situations, dans ce genre, tout comme ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'est parce que j'oublie mon statut. J'oublie ma position en tant qu'ami, héritier ou bien fils du plus grand roi. Ça, c'est ce que j'oublie. Mais maintenant, j'avais eu envie de demander pourquoi est-ce que j'oublie ce concept. Pourquoi est-ce que cette connexion avec l'esprit-là, parfois, elle me manque. Donc, je crois que après, en ce moment, quand vous avez commencé à parler,
parlé de l'esprit, j'ai vu. Le temps va me donner le plus. J'aurai le temps de faire ce travail. Mais en attendant de faire ce travail, voici ma question maintenant. Alors, je vous pose la pratique. Je suis quelque part où, quand par exemple, il y a du travail à faire, j'aime le faire et le finir. Donc, on n'aime pas laisser le travail pour le lendemain et tout ça. Et voilà que quand les autres n'ont pas envie de travailler, bien, ils viennent ça sur le travail. Et parfois, quand je suis un peu fatigué, que je ne peux pas me donner non plus, et c'est comme si c'est moi qui ne peux pas travailler. Parce que j'ai en fait que j'aime bien faire la chose. Et parfois ça tend à dégénérer même à des situations où on va chercher à te narguer. Parce que c'est toi qui cherches toujours la paix, c'est toi qui cherches toujours à maintenir une ambiance où. Où tu défends un peu comme, voilà, parce que quand tu as position de force, tu défends même ton ennemi. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si le ciel doit connaître et dire non et oui, mon papa a dit. Quelquefois, quand tu es gentil, tu es assez de tout. Tu vas m'accompagner quelque part, oui. Mais tu as fait un autre programme. Tu vas m'accompagner ici, oui. Tu viendras me rendre visite, oui. On va à la prière sur à cause de ne pas connaître, dire non. Et dis pas non, dis toi aussi, voilà. Comment, jusqu'à ce que ça finisse tout. Je voudrais savoir, de quelles leçons on peut tirer de la réaction de Jésus quand le Seigneur se connaît une fois. Ah, dans le temps. Ah oui. Soyez un agneau et un lion en même temps.